Hola, hola à tous et bon comeback sur Anima Gaming FR et sur Equinox. Normalement, un petit jeu tranquille. Once upon a time in a Il far était une forgotten fois dans place, loin, a dans un place bois ancient and abandonné. all understood. If Bon. one touched the bright moon high in Une the vaste légende que sky, personne ne peut the rare thing comprendre. If you power, touch the bright not moon. all who try. Si vous touchez If a creature la supreme lune éclairée emerged, haut power dans le could be ciel, harnessed. vous pouvez Fate avoir un was grand chosen. pouvoir. Failure was But common. not to Very all few who could try, succeed, mais as pas many tout le monde were born essaye. driven solely by Il y a fate. des créatures qui sont Those malignes, who avec could du capture the courage, light or gain, nanani, and le be pouvoir. eternal and Bon, ok, je suffer m'en as branle. pain. The myth of the moon is À steeped in savoir, comme d'hab, mystery. c'est un petit I jeu have to Steam. approach Il from est a gratuit, different c'est pas une démo, perspective. c'est donc c'est un petit jeu court indépendant normalement. On va essayer ça tout de suite. Once Bon, bien upon a sûr, time, normalement, there was a shy il n'y a little pas boy who lived long since de forgotten. traduction française. Et apparemment, la manette n'a Faithful pas and l'air loved, d'être I prise. tried Non, to ok, become la manette n'est pas familiar prise en again, compte. hoping to De reveal ce que j'ai vu itself to aussi, all dans le stars peu de that I commentaires see. que j'ai vu, apparemment. Excuse-moi, je me réinstalle bien. Vous pouvez jouer avec les flèches ou les QWERTY ou AZQSD, bien sûr, si vous passez le clavier en anglais. Parce que comme la I love the plupart des idea jeux that comme you ça, bah, t'en as toujours un dans les could commentaires. Ah bah je speak comprends as if you pas, were j'arrive talking pas à jouer, les to flèches, j'y arrive them, pas, je peux and pas changer les be sure touches. that without they had buried in darkness, they cast a Voilà, moi vu que j'ai passé le clavier en anglais, moi il me dit WASD, mais ce sera ZQSD. Orflèche, Airflèche. Mais c'est marrant comme quoi ça me fait rire parce que dans les commentaires justement il y a les gens qui sont en mode j'ai l'impression que ça a planté. On va laisser charger un petit peu. Mais oui, quand j'étais jeune, moi, Trackmania, tout ça, c'était vraiment avec les flèches, quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça me semble inconcevable de rejouer avec les flèches. Ah, ok. Ok, c'était pour m'expliquer le menu. Bon, je vais quand même me moucher, même si normalement, il n'y a rien dans mon nez. Au moins, je parlerai tranquille. Berk, 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 berk. Et c'est parti. Mais du coup, j'espère que c'est pas juste 2 points, que c'est vraiment la présentation, parce que s'il n'y a pas de lapin, il y a que les yeux. Bon, vin de Dieu. Oh, j'ai cru que ça allait être la vieille musique classique. Bon, je vous fais pas la traduction, hein, tout simplement parce que je vais galérer, que ça va être moche. Oh. C'est fluide ou faut que je change la performance? On va voir. Ok. Ok, on va se suicider. Ah, je peux les tuer? Ah, ok, bon, on va se suicider et recommencer tout de suite. Attends, et à chaque fois, attends, c'est mes vies, les trucs là, je veux voir si la boule se remplit. Attendez, excusez-moi. 1, 2, 3, voilà. Ouais, la boule se remplit. Menu, merci. On va faire une nouvelle game. Ah, merde, et ok, le suicide. Je peux pas faire. Attends, attends. Reset, vas-y, reset. Ouais, ça reset juste la sauvegarde. Ok. Ok, donc vous pouvez faire tout ça à partir de là. Déjà, ça c'est bien. As the Non, mais ça aurait été buried in dommage de se retrouver darkness. bloqué comme des gros caca. Et donc, ouais, tu peux sauter que avec O. C'est dommage, moi j'aime bien par contre espace pour sauter. Bah, réflexe, réflexe FPS. Ah! J'allais bien, c'est quoi? Il y a de l'humidité dans l'air? Pourquoi d'un coup je me mets à renifler comme un gros porc? Donc du coup, petit test, est-ce que je peux les tuer? Allez! On va tous les massacrer! Fais apparaître la lumière! Tint. Et du coup, déjà, dans quelle forêt es-tu? Quelle est cette forêt où il y a des montées, des choses bizarres? Il y a des plateformes qui volent. En plus, même pas peur d'attraper leur maladie.
C'est vrai, moi, quand je vois ça, au début, je me rappelle ce jeu, il est sorti il y a un certain moment, où je sais pas pourquoi. Avec les commentaires, à chaque fois, je me disais, bon, il a l'air pas trop mal, il a l'air sympa. Mais tous les commentaires sont en mode, ah, c'est nul, c'est pas bien, donc je laissais le temps passer, quoi. Excusez-moi, j'essaie de le faire une fois bien et après pour être tranquille, mais. Oups, oups. Ah, je peux pas faire des doubles sauts, comment je grimpe là? Attends, et si je pars d'ici? Chut, ça va être chaud, hein. Chut, non, je peux pas. De derrière non plus. Attends, même si j'ai de l'élan, bah non, j'aurai pas la hauteur, ça sert à rien. Vous avez de la chance, je vous aurais bien massacré, moi. Attends, je retente une fois. Là, il va faire le cognement, donc il va vite revenir. Non, y a pas des touches en mode. Non, moi, j'en sais rien. Tant pis, tant pis. Mais pourquoi j'ai l'impression de ne pas avoir récupéré ma vie? En fait, j'ai fait reset, j'ai pas regardé, j'ai l'impression que ma vie, elle est pas remise en haut. Bon, tant pis. Tout. Non, y a. Non, je regardais si c'était la façon dans laquelle je cliquais qui changeait la hauteur, mais. Mais c'est vrai que, oui, quand j'ai téléchargé ce jeu, je pense que c'était un tout petit peu après le début de ma chaîne, j'irai 2-3 mois après, en mode, ouais, c'est l'expérience du Covid, on va devoir esquiver le Covid. D'ailleurs, j'ai eu un ou deux jeux comme ça aussi, jeux gratuits, je me rappelle. Justement, c'était pendant la période du Covid que le jeu se passait. C'était en mode, ouais, une vieille dame a faim ou a soif, mais elle peut pas sortir de chez elle ou elle est bloquée. Et tu devais aller la récupérer, la retrouver. Non, c'est parce que je regarde celui tout en bas. Déjà, est-ce que je pourrais remonter? Vas-y, attends, on va se faire ces deux-là. Mais c'est surtout celui tout en bas, comment je peux aller le chercher? Je pourrais pas revenir après, si. Vas-y, attends, on essaye par là. Oh. It touched me. Ouais, il m'a mis deux coups en plus, le chien. Normal, comme ça. Et là, je peux pas y retourner. Ah, je pourrais retourner par là, vas-y. Et du coup, c'est quoi la barre en bas? C'est la barre pour voir jusqu'où t'es dans le monde. Là, je suis déjà un tiers du monde. Ah, déjà, voir. Par exemple, si là, je meurs vu que. Bah voilà, bah, c'est ce que je voulais voir. Ok, je reviens au tout début. Et attends, je suis revenu au tout début ou j'ai avancé là? Ouais, je suis revenu au tout début et les créatures restent vivantes. C'est pour ça que je sais vraiment pas s'il y a un intérêt à les tuer. Parce que ça tombe, il n'y a aucun intérêt et il vaut mieux que je continue ma route. Surtout si ça peut me faire planter, quoi. Oui! Vas-y, on le tente dès qu'il y en a un qui me blesse, selon où je suis, on verra si je continue ou si. Enfin, les tuer, hein, pas le jeu. Sinon, à la fin, je pense que j'essaierai de me faire, si j'y arrive pas, une fois toute la route. Ouais, non, moi ça me frustre. En plus, non, j'ai pas envie de recommencer 10 fois. Vas-y, tant pis, je vais aller voir. Bonjour! Bunny Speedrun! Du coup, je me demande si à la fin ils vont me dire ouais, il fallait en tuer autant ou une connerie comme ça. Parce que ça tombe, c'est juste des créatures magiques qui sont hyper sympas. Je suis en train de faire une extermination. Les gens qui ont peur. Ils font du mal. Oh, c'était juste. Ça passe, ça passe. Surtout que de ce que j'ai vu aussi dans les commentaires, le plus compliqué, ce serait. Bon, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il était vraiment compliqué et d'autres personnes qui passaient derrière en mode. Non mais je comprends pas, il est pas si difficile que ça. Enfin en mode, effectivement, il y a des plateformeurs hyper hard et tout. Celui-là, non, il sait jouer apparemment. Mais le boss serait peut-être un petit peu plus compliqué. Donc quitte à devoir recommencer 15 fois pour retourner au boss, essayons déjà d'aller voir à quoi il ressemble.
Non, non, non. Mais c'est là où tu vois la saloperie de l'humanité, c'est que, en un sens, c'est vrai que je me suis même pas posé la question, premier réflexe, est-ce qu'on peut les tuer ou pas? Bon, est-ce que c'est parce que c'est un jeu vidéo? Est-ce que j'aurais fait pareil avec des vraies créatures? Non, je pense pas que. Oui, effectivement, je suis pas assez taré pour me dire, tiens, une nouvelle créature, est-ce qu'on peut la tuer? Mais je crois que je serais assez taré pour me dire, tiens, est-ce qu'on peut la goûter? Tu vois ça, on dirait du coton, t'as pas envie de goûter? Ça tombe, c'est de la barbe à papa qui vole le truc. Et. Bon, là, normalement, j'arrive bientôt au bout, je vois la barre rouge. Donc, c'est pas le moment de faire le guignolo. Vas-y, juste au cas où ça met face à un mur et que je sois bloqué, vas-y. Ok, c'est bien une entrée. Ah, après, il y a peut-être plusieurs zones comme ça. Ah, bah voilà, The Fox. Oh! C'est censé être un boss? Et du coup, je suis censé le toucher? Non, je suis pas censé le toucher. Et du coup, je suis baisé? Attends, je suis baisé. Ouais, là, je peux pas toucher ces zones. Attends, attends. Je vais essayer. Si je vais là, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je peux attendre, hein. Apparemment, ces trucs, ils m'atteignent même pas, mais. Et surtout, je ne comprends pas. Et je peux pas sauter dessus là-dessus. Si là, apparemment, ça a fait quelque chose. Ok, c'est peut-être ça, attends. Hop. Ok, bah quand on comprend, ça va un peu mieux déjà. Oh, comment je le harcèle? Il me reste un HP, mais. Tu veux bagarre, renard? Tu veux bagarre? Oh, ça c'était pas justifié. Vas-y, peut-être que. Voilà. Ah, ok, Equinox, est-ce qu'ils vont me faire apprendre toutes les constellations? Peut-être que maintenant. On... Tout est possible. Bon, je vais quand même afficher les textes au cas où vous avez envie de les suivre. Vous connaissez la parade, hein, vous mettez pause si ça va trop vite. Roulis. Oh! Mais pas des images comme ça fait peur. T'as l'impression que c'est la fin du jeu, c'est quand il y a de la réutilisation comme ça. J'ai déjà vu cette image. Ok. Bon, bah c'est reparti. Oh! Ok, là ça va commencer à devenir plus compliqué, je comprends mieux. Bah, la taille des plateformes n'est pas extraordinaire. Hop. Si on n'a pas besoin de tuer, on tue pas. On avance. Yeeha! I am the White Rabbit. D'ailleurs, je me demande comment ça se passerait. Ça tombe aujourd'hui, la définition de White Rabbit, la musique White Rabbit, le White Rabbit dans Alice au Pays des Merveilles et tout. Ça tombe maintenant, ça va être considéré comme raciste. Hein? Est-ce qu'on doit pas détruire certaines races? Les lapins blancs, adieu. Les dogues argentins, adieu. C'est des gros chiens blancs qui sont magnifiques. Bah, j'en rigole, mais j'ai envie de vous dire. Bon, en plus, je l'aime même pas spécialement. J'apprécie pas spécialement. Quand je vois l'histoire qu'il y avait eu avec Delphine ou Vespizer, là, la dame blanche de Fort Boyard, t'avais envie de dire, mais what? C'est quoi? Vous êtes dans des délires? Bon, je passe par où là? Je peux passer. Bon, bah. Ah ouais, je peux pas passer. Attends, ça va me faire revenir au début comme ça, fait chier. Je vois, oui, il y a un petit côté punitif à ces bâtards là, attends. Toujours essayer de rester en haut autant qu'on peut, vas-y. Et j'ai dû mourir quelque part là. Un peu plus loin, toc, toc, toc. Je ne comprends pas. Bah là, j'ai réussi à passer, c'est ça?
J'ai un doute. Ah là, ça devait être là. Non, y a un truc en bas, c'est sûr. Ok, j'aurais pu passer en haut là. En fait, j'aurais peut-être pas dû descendre tout bêtement. Maintenant, j'ai envie d'aller voir c'est quoi ça. Ah, il la kiffe cette photo de lapin d'eau. Oh! Ça, c'est un échec, mais c'est pas grave, on va pouvoir remonter. Ah, mais vous imaginez même pas quand même tout ce qui peut se dire sur le racisme et sur les woke quand même. Parce que on en est arrivé à un point où je me rappelle, dans une école, un rocher était raciste. Un rocher. Un arbre pouvait être raciste. Vous vous rendez compte? Se balader en forêt était un signe d'oppression noire. Enfin, c'est un signe d'oppression noire si tu es blanc. Si tu es blanc et que tu vas te balader en forêt, tu oppresses les noirs. Mais après, si t'es noir, tu peux aller te balader en forêt. Bah, regardez justement les trucs comme ça, les trucs conneries. Un truc, je sais pas pour revenir sur la petite sirène ou quoi que ce soit, hein, j'ai déjà donné mon avis, vous tapez au pire sur ma chaîne Petite Sirène, à mon avis vous allez retrouver la vidéo. Mais en gros, ça, on aurait inversé les situations, c'était simplement de l'appropriation culturelle. L'appropriation culturelle depuis les Blancs, par exemple, si moi j'ai envie d'acheter un bouquin sur Bouddha, ce serait de l'appropriation culturelle par rapport à certains extrémistes. C'est chaud, hein? Pourquoi on dirait qu'il a grossi? Bon, je sais qu'on est... C'est un loup? On est pas... On dirait un renard obèse, votre loup, là. Oups. Oh, bah, au moins, j'ai touché. J'aurais peut-être dû y aller. Voilà, c'était mauvais. Vas-y, go, 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 go. Hop. Enchaîne. Oh, te fous pas, là. Encore 3, ça devrait le faire. Toc. Il y a des fois, il propulse, ça fait un peu bader. Hein. Oh, son shoot va plus loin, bordel, je m'y attendais pas. Allez, on le harcèle, on le harcèle, on fonce. Hop, hop, et défonce-lui le cul, oui. Ouais, donc c'était bien un loup, c'était pas un renard obèse. Mais effectivement, aujourd'hui, selon certains, et même selon des blancs et des français, j'allais dire des blancs, des woke de France, des vrais français, hein, des gens qui diffusent leurs paroles en France sur Twitch, nanani, qui gagnent même de l'argent grâce à ça et tout, parce qu'ils ont une communauté de débiles, par exemple, si j'achète une petite statue noire de la fertilité ou quoi que ce soit. C'est de l'appropriation culturelle. Si je m'achète un bouquin sur Bouddha, c'est de l'appropriation culturelle. Quoi qu'on fasse, c'est de l'appropriation culturelle. Mais pas dans leur sens. Mais comment je peux remonter là? Attends, c'est ça là? Y a... What? Oh non, bon bah. Ça, c'était vraiment mauvais. Ah, oh, vas-y, est-ce-t-il ça m'enlève deux cœurs comme ça? Pourquoi je me retrouve pas dans les mêmes zones? Je comprends pas. Ça a changé mon débat. Bon. Je vais pas m'en plaindre, hein. De toute façon, il me semblait que j'étais bloqué. Oh, ressaute, voilà. Ah, c'est tendu, hein, quand même, la place que j'ai. Et même, enfin, je sais pas, là, je peux pas y aller. Et là-bas, je peux y aller. Non, je peux pas y aller. Il me faudrait un double saut, je suis désolé. Bon, on va pas se suicider non plus, mais... Là, je comprends pas, là. J'avoue, je... Oui, un chemin en bas, je pourrais... Hein? J'ai un double saut, maintenant? Mais fallait le dire que j'avais un double saut. Ah bah, easy, ah bah... C'est le premier truc que j'ai essayé. Bon, c'est peut-être parce que j'ai pas lu, hein. Effectivement, maintenant, oui... Est-ce que j'aurais pas dû... Bon allez, vas-y, juste au cas où j'y arriverai avec un cœur. Mais j'allais dire, est-ce que j'aurais pas mieux fait de me sacrifier avant de... Par contre...
Boston qui commence à laguer, est-ce qu'il chauffe pas trop? C'est encore un jeu, un pseudo Unity là, ou je sais pas quoi. Qui sait jouer à Counter-Strike Global Offensive? Ça fait longtemps. LOL! Non mais autant le jeu, je vais pas critiquer parce que honnêtement, je passe quand même un bon petit moment. C'est assez sympa, ça casse pas trois pattes à un canard, mais le coup de la réutilisation 15 fois d'une image de merde quand même et de la même. Comment dire, portion de musique, au bout d'un moment, t'as envie de dire, ouais, vous êtes pas cassé le cul non plus. Bah, il y a des moyens à la con, en fait, sans te casser le cul, de faire croire que tu t'es cassé le cul, tu vois. Juste un dessin en plus, juste ils auraient changé le dessin, ça aurait fait un truc limite, ils auraient pu sortir sur le côté du jeu, alors qu'il est gratuit, en mode, ouais, vous voulez les fan art ou vous voulez les musiques, allez-y, hein. Mais là, non. Je sais pas, je sais pas. Roule, 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 oui! Oh, et du coup, je me demande, ça va être quoi le prochain? L'ours polaire? J'avoue, normalement, il y a tout ce qui est grand ours comme ça, les canards comme ça. Je me demande s'il n'est pas censé y avoir un cerf aussi dans les galaxies. Enfin, dans les étoiles. Sbire, je me doutais, la grande ours. Après, c'est peut-être la petite, hein, y a la grande et la petite ours, bien sûr. J'avoue, en fait, ça tombe, je peux même le faire de l'arrière maintenant que j'ai le double. Oh là là. Ah, ok, ça me fait du dégât quand même. What? C'était quoi ça? M'a éjecté comme une catte. Ah, je crois que je vais me faire baiser, je crois que je vais me faire baiser. Ah. Et ok. Il revient à zéro, il n'y a pas de souci. Oh. Ah non, je me doutais que là. Ok, faut vraiment pas que je me retrouve entre deux bulles. Sinon, ça va pas le faire. Ah, mais ça devrait faire disparaître l'étoile, ça, le fait que. Oh là 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 là, là c'est mauvais, c'est mauvais. Mais bon, là c'est moi qui suis mauvais. Donc je peux pas en vouloir au jeu. Oh là 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 là, ok, est-ce que je commencerai pas par l'avant? Mais non, mais c'est ça aussi, c'est quoi ces étoiles de brun là? Oh, vas-y, le viol, là, j'avoue, le dernier boss, il me viole. Et là, oui, il peut aller jusqu'où il veut. Vas-y, on va essayer de bien reprendre de l'arrière. Vas-y, vas-y, de l'arrière. Hop, voilà, reviens bien. Voilà. Ok. Mais non, mais là, elle disparaissait. Ça, c'est frustrant. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Je suis propulsé de l'autre côté. J'ai pas d'autre sort, hein, j'ai rien, j'ai rien. Je sens que je vais faire un. Comment ça s'appelle? Un game over. Non, mais c'est ce côté propulsé qui me casse les couilles. Tu peux rien faire contre ça. Oh là là, oui, bien sûr, là, je suis pas tombé dessus, hein, bien sûr. J'aurais pas dû rester là, je le savais, voilà, vas-y, mets-moi l'étoile. On part du principe que si je l'éteins quand même bien à chaque fois. Oh! Là, je vais essayer de commencer par l'avant, ça va peut-être être moins frustrant. C'était pas le bon timing. Oh là 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 là, la chatte. Mais non! Bah ok, mais faut que tu tentes ça, mon cul. Ouais. Oh là 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 là, et le hit, bah oui, allez, vas-y. Hop, voilà, c'était la fin. Hit by hit. C'était si détente jusque-là, et là, je suis baisé dans mon coin. Bah oui, pourquoi je suis revenu ici?
Quand on n'est pas malin, on tombe dans le ravin. Allez, on essaie de le faire en forme comme ça. On enchaîne. On enchaîne. Ouh. Tiens, dans le gamelle. Oh, dans le gamelle, ouais. Oh. Ça, c'est du lapin. Va finir à la casserole, ça. Avec des petites carottes. Cours, cours, cours. Allez, là, pour l'instant, t'es bien. Il manque plus que le dos. Vas-y, limite, s'il m'agresse pas trop, peut-être que je peux faire à partir d'ici. Allez, juste te fais pas enchaîner. Voilà. Ne tombe pas. Et c'est le dernier. Oui! After the failure of the king had begun to lose patience with his Ouais. court. Je me dis, il pourrait m'en remettre un deuxième aussi, vu qu'on est passé, même si c'était un loup, de renard à renard obèse. Et peut-être qu'on va passer d'ours à ours obèse. Hein. Lala. Oh, les. Mais c'est la fin de la journée! Enfin, de la nuit? Qu'est-ce qu'il raconte, lui, le gars? Il voit enfin le soleil se lever, c'est la fin de la journée! Malin, la bête! Allez, hop. Du coup, juste au cas où il n'y a pas de triple saut maintenant. C'est vrai que je ne me rappelle pas d'un jeu où il y aurait eu du triple saut, mais t'aurais tellement pu abuser. Quel est le premier gars qui s'est dit, tiens, on va inventer le double saut quand même? Le wall jump, ça je peux comprendre, hein, les Prince of Persia, tout ça, pas de souci. Mais le double saut. Nanana. Et je vois que leurs couleurs sont belles, c'est quand même bizarre, hein. C'est quand tu les regardes, il y a un petit côté psychédélique et tout. Hop, envie de se gratter l'oreille, envie de se gratter l'oreille, toc toc toc. Tum, 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 tum. Oh bah oh. Oh bah bah oh. Pour en faire une musique. Les codes de l'époque. R1, R2, L1, R2, gauche bas droit haut, gauche bas droit haut. Alors je pense que ma mémoire se souvient de ça, c'est tellement inutile. Je crois que c'était soit le code pour les armes, soit pour la santé. C'est comme à l'époque, je connaissais la plupart des codes par cœur, en mode le tank, le jetpack, la voiture de course. J'avoue que ça aussi, c'est tout bête, hein, mais le gars qui a inventé ce genre de code. Parce qu'encore, j'ai envie de dire, allez, les codes cheatés, armes infinies, balles infinies et tout, vie infinie. Tout ça, oui, pour simplifier. Mais des codes du genre voiture volante, voiture flottante et tout, c'est. Fallait y penser, hein, c'était con, mais fallait y penser. Je suis sûr, ça a dû faire plus la renommée du jeu que le jeu en lui-même. Même si j'ai bien aimé les GTA, hein, franchement. Je les ai quasiment tous faits. Hein. Bah, c'est simple, j'ai fait le 3, Vice City, Saint-Andreas. J'ai pas fait le 4. Et j'ai pas fait Liberty City. Mais j'ai fait le 5. Et je les ai, hein. C'est juste une question de temps. Voilà. Hein. Bah, c'est des jeux aussi qui sont difficiles à faire quand t'as une chaîne. Ça fait un peu peur de se dire, punaise, c'est reparti sur un jeu qui va durer je ne sais combien de temps. Eagle! Eagle! Ah, le salaud! Ah, c'est marrant quand tu peux remonter comme ça c'est cool. Oh! Oh, j'ai pris un coup là, ça c'est pas cool. Je m'en doutais que là t'allais l'envoyer. Hop! What? Je suis peut-être tombé entre les deux, peut-être qu'il a mal calculé.
Ce n'est pas grave. Oh là, ok. C'est vraiment, tu dois avoir un angle un peu chelou. Là, je vais me le prendre direct. Non. Ok, j'ai eu peur. Je me suis dit, avec le timing, ça va pas le faire. Oh, ça sent la mort, ça sent la mort. Ah, trop greedy, tout greedy. Oh mais non, mais ça non, je suis désolé, c'est le premier, je devrais pas mourir comme ça. Et du coup c'est. Ah c'est peut-être le dernier fragment de la lune là. Vas-y, j'ai pas pris, j'ai pas pris. Hop. Hop, j'ai pas pris, c'est parfait. Toc, 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 toc. Et du coup, je la connais pas, cette constellation-là. Fait comme l'oiseau, sa vie l'air pur et d'eau fraîche, l'oiseau. Et rien jamais ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Je sais absolument pas si c'est les bonnes paroles, hein, mais il y avait une musique sur l'oiseau. À l'époque de Il est libre, Max. Ah, il y avait des bonnes musiques à l'époque, hein, faut pas dire ça. Ouais, honnêtement, c'est quoi à dire, hein? Mais même d'un point de vue musical, j'ai envie de dire, c'était mieux avant. Je suis désolé, avant, toutes les musiques qui passaient, c'était souvent des ballades à texte qui étaient très sympas à la radio. Aujourd'hui, je serais prêt à récupérer toute cette vieille balade et à échanger contre tout le rap de merde qu'il y a actuellement. Et voilà les fanards. Mais vous avez vu? Il ressemble pas un loup le truc, on dirait. Oh, les chiens dans Pokémon. Comment ils s'appellent déjà? Pas les Ramalos. Ah, Arcanin. Eh ben j'espère que vous avez kiffé. Comme d'hab, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un abonnement, un partage. Et moi, bah, bien sûr, il reste peut-être encore quelques minutes, mais je vous souhaite le meilleur du monde, c'est-à-dire amour, argent, santé, tout ce qu'il faut, prime, augmentation, même des gosses si vous en voulez. Je vous envoie les miens. Par la poste. C'est vrai que je suis étonné qu'il n'y ait jamais eu de, comment dire, de. Ah! De trafic de semences. Bah c'est con à dire, mais quand tu vois tous ceux qui sont prêts à faire des pieds et des mains avec la PMA et tout et qu'ils n'arrivent pas à en avoir, je suis étonné qu'il n'y ait pas des organisations qui soient déjà passées en mode ah vas-y, on vous en trouve vous... et vous vous démerdez derrière, quitte à ce que justement que le. Comment on appellerait ça le. Ah! Comment ça s'appelle Que le taux de réussite soit très faible et en mode bah repaye ta dose, retente ta chance. C'est peut-être toi qui fais mal, tu as peut-être mal conservé. Quitte même à leur envoyer du shampoing dedans. Tu mets du shampoing, ils vont se foutre du shampoing là. Oh c'est pas bien, hein, ne faites pas ça. Mais bon, aujourd'hui il y a tellement d'arnaqueurs là avec le dropshipping et tout. Ce serait pas étonnant, hein, quand on voit que des mecs sont prêts à racheter des saloperies 5 euros et vous les revendre 50, faut pas avoir d'éthique non plus, hein. Mais après, le dropshipping, bon, c'est juste pour finir là-dessus, ça existe pas que sur Internet, hein. Et effectivement, pour moi, il devrait y avoir un truc dans la loi comme quoi tu ne peux pas revendre un produit plus de autant de fois le comparé au prix où tu l'as acheté. Parce que par exemple, moi je me rappelle quand je vendais des chaudières, des poêles et des conneries comme ça, eh ben je peux vous dire que les prix, on les vend. Enfin, la boîte les vendait entre 3 à 6 fois le prix de la Belgique. On enculait des Français. Et c'était légal. Bon, bien sûr, on devait forcément aller voir les Devils, parce que les gens qui avaient un peu de culture, qui avaient un peu d'intelligence, auraient repris les références produits et auraient retrouvé les offres beaucoup moins chères. Mais. C'était vraiment chercher du débile
pour lui vendre un produit qui existe 6 fois son prix. Et ouais. Donc c'est pour ça, en un sens, d'un point de vue légal et tout, il y a déjà des entreprises qui le font. Donc, mais pour moi, on devrait à la fois l'interdire aux influenceurs et aussi aux boutiques. On ne devrait pas pouvoir dire, je sais pas, du genre, on va dire Leclerc, Auchan ou Danani, tiens, t'as acheté ta bouteille de coca 10 centimes, bah tu vas la revendre 1 euro. Non, tu l'as acheté que 10 centimes, bah tu la revendras au maximum 30 centimes. Ouais, ça serait déjà plus cool. Bah normalement, les taux de marque, tout ça, c'est censé être du 20% ou pas plus. Aujourd'hui, il doit y avoir des taux de marque sur des produits, mais qui doivent être hallucinants. Fois 1000 et tout. Comme d'hab, j'espère que vous avez kiffé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Bisous, bisous.